Salut à tous, c'est Renaud Bacon et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un petit jeu fort sympathique qui s'appelle Cellule, où on va apprendre depuis la naissance de notre Soleil à la naissance de la Terre, avec tout ce qui a fait amener la vie et encore bien plus. Vous allez le découvrir là-dessus. On apprend pas mal de choses, hein. Moi j'ai bien aimé, j'y ai joué, j'ai bien avancé pour le moment. Donc on va voir ce que ça nous donne. Alors, c'est pas mal, hein, parce que vous apprenez tout ce qui a été avant nous, même largement, à la naissance de la Terre. Comment était la Terre au tout début? Donc c'est pas trop mal. Alors, et voici la Terre. Voici la Terre au tout début. Où elle a commencé à se former. En fait, c'était une boule magmatique. Hein, comme vous pouvez le voir là, une texture. Elle a produit une texture chimique, une abondance d'eau et une atmosphère. C'est parfait pour le développement de la vie. Voilà. Alors, on a plusieurs choix, hein. Comme vous pouvez le voir, soit on prend la lune, soit on fait le volcan, soit on fait les acides aminés, soit on fait le nucléotide, on a les protéines aussi. Allez, la lune déjà pour les marées, tout ça. Le volcan aussi. Voilà. Les acides aminés aussi. Le nucléotide, c'est les nucléotides sont les composés chimiques formant les fondations de l'ADN et de l'ARN. Acides aminés. Alors, atomes et molécules se lient ensemble pour créer les prémices de la vie. On a eu la soupe primitive, qui est une solution riche en composés organiques supposés avoir permis l'apparition de la vie, donc les météorites sont venus se cracher sur la Terre en formation et qui nous a donné apparemment tous les composants pour apporter la vie. Bon, allez, l'ADN. On va le booster. On booste ça. Les acides aminés aussi. Voilà. Donc dans la partie, on va débloquer pas mal de choses. Et il y a pas mal de zones où on peut y aller. Là, j'y ai pas été encore. Je n'ai pas débloqué ça. Ça m'aurait bien plu de le débloquer. Pour vous le montrer. On espère bientôt. Donc pour l'instant, voilà. On en est ici en fait. Et là, on en est là. On a les molécules et on a de l'ADN. Fait pour la vie. Donc, on va rajouter des protéines. Membrane plasmique. Qu'est-ce que c'est? La membrane plasmique protège l'intérieur des cellules de l'environnement. Hey, pas mal. Donc voilà, ça nous permet aussi, après, dès qu'on a en haut, tout en haut, assez de... Oula, ça sera pour plus tard. De points, quand on a assez de points, on peut débloquer les choses. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on débloque? Alors, là, l'ARN, c'est les messages. J'ai du code génétique. L'ARN est le responsable du transfert du code génétique du noyau au ribosome.
permettant la création de protéines. On a la membrane plasmatique, comme je l'ai dit, et là on a la cellule procaryote. C'est le premier organisme vivant qui a été sur Terre. Ces cellules ont ouvert la marche au reste de la vie. Ok. Donc voilà, on a les mitoses, on a les mitochondries, on a le noyau, on a le virus. Alors, mitochondrie, c'est la centrale énergétique de la cellule. Les mitochondries sont des organites qui convertissent le glucose en énergie. Les bactéries, bon, bah, tout le monde le sait, hein, ce sont des micro-organismes unicellulaires ayant des parois cellulaires, mais aucun des organismes qui constituent les organismes multicellulaires. On a les virus. Un agent biologique qui se réplique aux dépens d'autres cellules. Surprenamment, si les virus n'avaient pas la capacité de s'introduire dans l'ADN, les humains n'existeraient peut-être même pas. Les mitoses. La capacité des cellules à se diviser en plus de cellules similaires. Ce processus aiderait les organismes monocellulaires à se multiplier. On a le noyau qui est le centre de contrôle de la cellule contenant les chromosomes qui protègent l'ADN. Ah, les cellules eucaryotes, c'est le cousin le plus complexe de la cellule procaryote formé de l'unification symbiotique de plusieurs cellules procaryotes. Donc une évolution, à mon avis, des cellules procaryotes. Donc on avance pas trop mal là. Pas trop mal. Les tissus, ce sont des groupes de cellules se rassemblent afin de réaliser une fonction bien spécifique. Après, on a pas mal de choses, hein. Le muscle, les systèmes nerveux. On a l'alimentation par filtration. Cytoplasme, tiens. C'est tous les matériaux contenus à l'intérieur d'une membrane cellulaire, à l'exception du noyau. Reproduction asexuée. Similaire à la mitose, la reproduction asexuée est le processus par lequel un organisme entier est créé à partir d'un seul parent. On a l'alimentation par filtration, une manière passive de trouver de la nourriture en ayant un filtre à nutriments dans le corps de l'organisme. La méthode choisie par les coquillages, le krill et les éponges. On apprend pas mal de choses en même temps. La reproduction sexuée, une méthode de reproduction très longue impliquant à la fois la mitose et la méiose. On évolue les trucs. Allez hop. Donc voilà, après on aura quoi? On aura l'éponge, tiens. L'éponge, c'est le premier organisme multicellulaire de l'histoire. Ces filtreurs immobiles sont le produit de multiples cellules eucaryotes qui se sont rassemblées. On aura bientôt les méduses.
Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on peut apprendre. C'est pas trop malin, on apprend pas mal de choses. On va en apprendre pas mal au fil du temps. Sur le. Sur le développement de l'être humain, sur les âges qu'on a connus, l'âge de pierre, l'âge de bronze, néolithique, le Moyen Âge. On va apprendre pas mal de choses. Les méduses sont des animaux aquatiques au corps en forme d'ombrelle molle et traînant des tentacules, nageant librement. Le corps peut pulser, permettant une propulsion et donc la locomotion. Les tentacules peuvent être utilisés pour capturer des proies ou se défendre contre des prédateurs en émettant des toxines via une piqûre douloureuse. Donc la Terre, elle est toujours comme ça. Elle est autour du Soleil. On la reconnaît pas, hein, du tout, hein. Où est l'Europe? Où est la France? Pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Donc au niveau moléculaire, voilà, on a l'ADN, on a les cellules, on a les atomes qui sont là. Et au niveau de l'eau, on a la méduse avec l'éponge qui sont là. Pour l'instant, alors ensuite, symétrie radiaire. Ce sont des organismes pouvant être divisés en parties identiques. Cette symétrie ouvre la voie à des organes tels que le cerveau des mammifères. Ah, on a. Ah, là, qui se sont multipliés là. Et où notre petite méduse, elle doit nager. Elle est là. Elle est là, notre petite méduse. Alors, on va tout multiplier. Pour avoir un max de points par seconde. Donc voilà les amis, ça sera la fin de cette vidéo sur la petite découverte de ce jeu qui s'appelle Cellule. J'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, dites-moi votre impression sur ce jeu, si ça vous plaît ou pas. Partagez un max de mes vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à très bientôt les amis, pour de nouvelles découvertes de jeux et continuer les jeux sur lesquels je joue. Rhino Bacon, out!